Moi-même, Marie-Gislaine, mon premier ministre, condition femme avec la femme. Moi, c'est un signataire décret qui prend sous nouveau code pénal. Je ne sais pas comment que on est capable de dire un code pénal li amoral. D'ailleurs, si nous voulons parler de morale et droit, la morale n'est pas le droit et le droit n'est pas la morale. Moi-même, je n'ai jamais accepté ça parce que la morale n'est pas le droit et le droit n'est pas là. La dernière, je t'attendais une interview. Je dis ça que ton tigeant un peu choqué, c'est parce que c'est un agent du gouvernement qui t'a fait déclaration ça. Avant que m'explique pour que ça soit une erreur très grave, ben m'expliquons un petit peu qui côté idée ça a sorti. Et ça, c'est un courant que vous joignez dans un pile, école de droit. Il est le positivisme juridique. That's called legal donc, positivism. Son terme technique lié. It's a technical donc, il est le positivisme juridique. That's called legal positivism. Et en réalité, ça le dit. Il dit que la loi, c'est ça qui écrit sous papier, qui publié sous papier et que le gouvernement renforce. Donc après ça, en quelle autre loi, pas loi encore. Donc ça, c'est une conception que yo enseigné dans plusieurs écoles de droit. Mais l'extrêmement important, là yo moun à l'école, quelle que soit l'école où aller, pas jambouè tout ça yo baou. Utiliser capacité de raisonnement, utiliser logique, utiliser jugement et puis faire recherche personnelle. Et ça aide yo meilleure personne pour pas répéter ça yo moun dit. On dit par exemple la loi les séparée de la morale ne pas fait aucun sens. Premièrement le faux, false. Deuxièmement dangereux. Mais ça fait le faux parce que la morale c'est le fondement de la loi. False. La morale est le fondement même de la loi. It's the very foundation of the law. Donc si la morale c'est le fondement de la loi, comment qu'à séparer la morale de la loi? Bon exemple, juste pour qu'à comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Par exemple, la loi dit nous pas supposer voler. Mais en nous penser ça, pour qui raison moins avoir nous pas voler? Quelles sont les vraies raisons qui fait moun pas voler? Vous pouvez rendre compte que vraie raison qui fait moun pas voler, pas parce que gon loi qui écrit sous papier pas voler. Vraie raison qui fait moun pas voler, c'est parce que gon bagay en dedans yo qui dit li mal. C'est parce que gon voix intérieure qui est les consciences. Et conscience ou tout li mal. Conscience ou tout mais ça bien, conscience ou tout mais ça mal. Kounya qui ça passé? Qui ça la loi est? La loi, the law, c'est lorsque conscience moi dit pas voler. Conscience Mel qui dit pas voler. Conscience Fédal fils dit pas voler. Nous toute conscience nous dit nous voler son bagage qui mal. Ça veut dire nous dans domaine moralité. L'un réuni ensemble. Kounya nous dit comme ça, nous bral écrit sa conscience nous dit nous. L'un mette sa conscience nous dit nous sous papier. Dirait yon loi. Mais ça fait loi gain valeur. C'est parce que le raisonner à conscience moi. Joue loi pas raisonner à conscience moi. Li immoral. Donc dans une société, on nous prend exemple voler. Majorité de moun. Ça fait yo pas voler. C'est conscience. Si tout moun non pays décide pour yo voler. Pas de police assez pour arrêter yo. Pas de prison assez pour mettre yo. La loi, really the law, ça bal valeur, what gives it value, ça bal force, what gives it strength, ça fait une loi, why it's a law, c'est lorsque en accord avec la conscience humaine. It's when it's in accord with human conscience. Et la conscience humaine, and human conscience, c'est la voix de Dieu en l'homme. It's the voice of God in man. Donc lorsque conscience là, when the conscience témoigner de Dieu God, et puis pour nous font loi qui est en accord avec la conscience, l'homme back oblige. Mais lorsqu'on font loi tête en bas law, qui n'est pas connecté avec la conscience, with the eh bien là sa loi vient tourner une loi immorale. Now, the law becomes immoral parce qu'elle ne pas répondre à la conscience humaine, does not respond to the human conscience. Elle ne pas répondre à la parole de Dieu. Est-ce que ça va, chers amis? Conception ça non seulement fausse, il n'a pas fait en quel sens, mais deuxièmement dangereux, extrêmement dangereux. Et raison que je me décide de parler de lui, c'est parce que lui sorti de yon agent du gouvernement. Si c'est dans l'autre monde, pas ta balle est trop importante. Mais l'autre sorti de yon monde qui représentait le gouvernement, ça c'est dangereux. L'autre yon monde qui représentait le gouvernement, abdou que la morale li séparée d'avec la loi, c'est dangereux. Parce que lorsque yon loi li pas gagne fondement moral, la loi gagne deux bagages qui a fait yon monde obéir. C'est soit
conscience moins dit c'est une bonne loi, moins décidé obéir. Dans le cas où loi ça connait pas bon fondement moral, conscience moins pas rendre témoignage que me supposé obéir. Le seul jeu pour faire obéir, c'est mettre un revolver dans tête. Et puis il dit sous pas obéir, m'a pété ses vêtements. Donc cela veut dire lorsque la loi n'a pas de fondement moral, seul gens ou capable induire la conformité, c'est par la force. Donc, lorsque le gouvernement a dit comme ça que la loi est séparée de la morale, cela veut dire loi ça, puisque le baguette fondement moral. Donc, cela veut dire l'autre coup qui était kounia, c'est coup de bâton sur tout le monde. Ou bien attaquer tout le monde. Ou commencer à entrer dans la direction, ça me relève une dictature criminelle. Parce que le loi pas de fondement moral, seul un revolver dans la tête du monde qui a fait obéir loi. Donc, cela veut dire c'est par la force. Donc, c'est ça que me dit, un raisonnement extrêmement dangereux. Raisonnement, ça me parle de l'IA. Doctrine, ça, que la loi, les différents, les séparés de la morale. C'était doctrine ça qui était gagné en Allemagne dans les années 30, 1930. Hitler parvenu au pouvoir en 1933. Lorsque Hitler arrivait au pouvoir, même doctrine juridique ça, que y aurait le positivisme juridique, il commençait en Angleterre avec un série de grands penseurs, que y aurait par exemple John Austin, Hans Kelsen, et puis Lionel Hart. On paquet nan yo. Yo pral en Angleterre. Yo vini en Allemagne avec. Et presque la majorité des juristes en Allemagne. On t'attend des professeurs de droit. Yo abdi yo la morale. Li séparé d'avec la loi. Dans les tribunaux. Tribunal constitutionnel Allemagne. L'autre tribunal en Allemagne. Tout juge. Tout représentant de la loi. Magistrat. Tout moun abdi kon sa que. Eh bien la morale. Li séparé d'avec la loi. Donc cela veut dire. Peu importe sa conscience moins. Depuis la loi passée, c'est la loi. It's just the law. 1933, Hitler vient au pouvoir. Il joue une doctrine ça en Allemagne, dans les écoles de droit en Allemagne, dans les tribunaux en Allemagne. Donc soudainement, Hitler commence à faire une série de lois qui pas gagné rien pour lui avec la morale. Tout le monde connaît loi ça y a pas de bon. Tout le monde connaît que loi ça y a été injuste. Mais puisque tout entre dans la logique, la loi séparée d'avec la moralité. Donc en 1933, le Hitler passe la loi que juif pas de droit à l'école encore. Tout le monde connaît était immoral. Tout le monde connaît injuste. Mais personne n'a dit rien. Parce que il a dit comme ça, moralement, je ne dois pas penser pas bon. Mais si c'est la loi, c'est la loi. En 1935, il retire citoyenneté allemande de tous les juifs. Donc imaginez par exemple aux États-Unis. Petit tout fait aux États-Unis, il y a citoyenneté américaine. Et puis soudainement, il a dit comme ça, tout le monde qui est haïtien. Depuis pas bon haïtien, à partir d'aujourd'hui, ou pas américain encore. C'est précisément ça Hitler a fait. Tout juif qui était né en Allemagne, il retire citoyenneté depuis parents des juifs. Tout le monde connaît le mauvais, mais personne ne dit rien parce que c'est la loi. La loi lui séparée de la morale. Peu importe ça me pense dans moi. La loi, c'est la loi. En 1938, il m'a dit qu'il y a pour lui passer l'autre loi. Tout le monde qui est juif, je suppose mettre un gros J sur passeport qui identifie comme des juifs. Tout le monde connaît le pas de bon, mais personne ne dit rien. Et bien, c'est comme ça le prend un paquet de monde. Mettez un camp de concentration, li mette yo nan chambre à gaz, li boule un peu, li pise yon paquet, jusqu'à ce que 6 millions moun mouri, nan jè tout moun. Nan jè tout moun. Nan jè tout moun. 6 millions moun mouri, nan jè tout moun. Au sud et au sud de tous. Mais personne pa di rien. Parce que le vin ba yon pacifisme criminel. Li vin fait que moun kapab wè mal a fait et yo pa di rien. Parce que yo di moralité yon bon. Et eh bien la loi son l'autre bon. Vini pour me jouer à soi. Pour tout haïtien, nous t'étais de monde qui t'a fait intervention. T'es dit la loi c'est la loi. La loi pas ta immoral. C'est faux. C'est archi faux. Yon loi capable immoral. Yon loi capable immoral. Loi Hitler yote immoral. Loi apartheid en Afrique du Sud. Que Mandela te fait yote immoral. Les lois de Jim Crow aux États-Unis qui te fait ségrégation entre noir et blanc yote immoral. Le code noir qui t'a fait, qui t'a bâti traitement, qui valait coup de fouet pour bâti mon noir, pour traiter autant qu'un animal, il était immoral. C'est la conscience humaine qui bâti une loi valeur. Personne n'a pas droit. Quel que soit non poté, comme ministre, comme président, comme premier ministre, comme ministre de la pour venir camper, pour venir mettre loi machouquette sur le monde qui n'est pas connecté à la justice. Faut un dame d'une loi ça moral. Faut un dame d'une loi ça bon. Faut un dame d'une loi ça sous ça. Ma terminé remarque. Moi avec citation yon
un grand écrivain sur ce sujet ça. Il dit la seule chose qu'il faut pour que le mal triomphe, c'est le silence des hommes de bien. La seule chose qu'il faut pour que le mal triomphe, c'est le silence des hommes de bien. Dans la société, l'homme a mis la tête en bas. Et puis, le monde qui de bien pas dit rien, le mal, il triomphe, il chit à col, il blague à col, il fait silence. L'église, l'église, l'église.